Cérémonie de lancement de l'édition française du livre Construisons une communauté de destin pour l'humanité de Xi Jinping. Voilà, dans cette nouvelle édition, le premier point que nous allons aborder. La deuxième rentrée de l'année ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise a eu lieu le 3 septembre dernier. Ils seront consacrés sur le budget national de l'année 2020. La taxe d'habitation réapparaît dans son répertoire le contenu de sensibilisation avec les agents de fiscalité dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Voici le sommaire. La mort de Didier Arafat a été surprenante et son inhumation reste toujours redoutable. Et il a été subitement parti dans la vie rapidement d'une manière suffocante. Suivons le reportage avec nos confrères qui sont restés sur le terrain. Voilà Didier Arafat qui se retrouve dans le cercueil, mais finalement, ses militants et ses compatriotes, ceux qui sont ses amis fervents, estiment que voilà, ce n'est pas Didier Arafat, mais finalement, ce n'est qu'un poupée qui est resté dans le cercueil. Mais c'est tous ces échos-là, ce sont à vérifier. Mais néanmoins, la maman de Didier Arafat est en train de larmoyer, qui hurle sur une foule qui est en train de l'entourer et de la protéger lors de l'inhumation de son fils. Suivons le reportage. J'ai dit, Jamie, pardon. Non. Quand tu m'appelles, il ne m'appelle jamais. Mon fils et moi, il m'appelle les journalistes. Ils ont envie de déplacer le corps de mon fils. Wow. Quittez.
Voilà, mesdames et messieurs, la maman de qui est en train de donner quand même ses cris d'amertume dans la foule. Voilà. Aliko Dangote, le multimilliardaire de l'Afrique, devient plus très cher à jamais lors d'une conférence des présidents africains. Ils sont en train de solliciter un peu nos envoyés spéciaux sur le terrain. Aliko Dangote qui s'exprime au micro de nos confrères concernant bien sûr sa fortune et lorsqu'il est sollicité et il va essayer de donner son ton dans les jours à venir. La taxe d'habitation suit réellement son cours. Les responsables de la fiscalité togolaise s'expriment et expliquent les techniques et méthodes à entreprendre au cours de leur exécution. Suivons le reportage avec nos confrères qui sont sur le terrain. La taxe d'habitation existant depuis 1998 est devenue un sujet qui fait l'objet de toute spéculation de nos jours. Pour lever tout équivoque, le sujet a été placé au centre d'une rencontre tenue ce 30 août à Lomé entre les experts fiscalistes du cabinet d'audit d'expertise comptable et fiscale CAECOFIX et les hommes de médias. Selon les explications données au cours de cette rencontre par les fiscalistes, la taxe d'habitation est un impôt local qui dépend de la caractéristique du logement. La taxe d'habitation est due par le résident. Chaque personne qui vit dans une commune est tenu de payer une taxe d'habitation, mais on tient compte du type d'habitation que vous occupez.
Ça va de la concession à l'appartement, aux maisons à étage. La taxe d'habitation n'a rien à voir avec le loyer. Dès que vous avez un logement à Lomé, vous payez la taxe d'habitation sur ce logement, d'après sa contenance. Certaines personnes sont exonérées du paiement de cette taxe. Les personnes à moins de 18 ans sont exonérées. Les personnes retraitées ou ayant 55 ans et plus sont exonérées. Les personnes indigentes reconnues comme telles par l'autorité sont exonérées. Les personnes infirmes ne disposant que d'un revenu d'invalidité, entre autres, sont exonérées. Elle est établie pour l'année entière, quelle que soit la durée d'occupation des locaux. Les tarifs sont déterminés en fonction du type d'habitation. Pour les concessions à plusieurs ménages, les textes prévoient 4 000 francs par ménage. Et le studio, ça va de 2 000, ça dépend. Il y a un tableau 2 000 pour une pièce, il y a 6 000 pour deux pièces, 3 000 pour 9 000 pour trois pièces. Et pour les villas, ça monte un peu plus. Je crois quand même que l'État a tenu compte des conditions généralement de vie du Togolais. On n'est pas tous dans des villas. Donc la première tranche est assez abordable. Des sanctions sont également prévues par le livre de procédure fiscale. La sanction principale, c'est le non-accès aux services administratifs. Puis il est prévu que quand vous payez la taxe, on vous délivre une quittance ou une pièce justificative qui vous permettra d'accéder aux services de l'État. Si vous avez besoin de légaliser des pièces, d'inscrire vos enfants à l'école ou d'autres services que l'État vous rend, on vous demandera la preuve de votre taxe d'habitation. Entre l'OTR et les mairies. Rappelons que la taxe d'habitation concerne tous les logements, résidences principales ou secondaires, tous les occupants, locataires ou propriétaires. Voilà la taxe d'habitation qui va essayer de faire son rebondissement déjà le début de l'année 2020. Alors tous les Togolais seront confrontés à payer à chaque ménage avec, selon le tarif à l'État. Même les villas, les maisons personnelles vont essayer de devoir à l'État pratiquement. Le lancement officiel du livre « Construisons une communauté de destin pour l'humanité » du président chinois. Cet livre a été une cérémonie de lancement officiel qui a été procédée au siège de l'Assemblée nationale. Le premier ministre togolais, selon Klassou, a honoré de sa présence et il a essayé d'être accueilli par la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Suivant le reportage, il est à noter bien sûr tout simplement que la présidente honorable Tiegan, voilà, Yawa, il a donné quand même son discours d'accueil et de bienveillance à l'État chinois. Suivant le reportage. Un vecteur d'émancipation qui accroît l'imagination, invite à rêver et éveille la curiosité, l'ouvrage Construisons une communauté de destin pour l'humanité mérite d'être lu d'un bout à l'autre pour découvrir le modèle de paix perpétuelle et trouver ainsi la capacité de mieux développer nos relations humaines. Vive l'amitié entre la Chine et le Togo. Vive la coopération entre les nations. Je vous remercie. Allez,
Excellence, monsieur commissaire, l'homme place au premier ministre de la République togolaise. Excellence, président des institutions républicaines. Honorable mesdames et messieurs députés. Honorables mesdames et messieurs ministres. Mesdames et messieurs, chers amis. J'ai le grand plaisir de visiter le continent africain, à la fois vieux et jeune, et de visiter la République togolaise, ce beau pays, pour participer avec de nombreux amis à la cérémonie du lancement de l'édition française du livre « Construisons une communauté destin pour l'humanité » du président Xi Jinping. Les amis ici présents sont aussi chaleureux que le soleil d'Afrique, ce qui affiche l'amitié profonde du peuple togolais envers le peuple chinois. En cette occasion, au nom de la délégation du Parti communiste chinois, je tiens à exprimer mes vives félicitations à la publication de l'édition française de cette œuvre et adresser mes sincères remerciements à Madame Yawachiko Fikon, présidente de l'Assemblée nationale, et aussi à Monsieur Komi Seilom Chasu, Premier ministre de la République togolaise, et toutes les invités pour votre présence. Honorable, bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, les interventions différentes qui ont essayé d'émailler, bien sûr, la cérémonie de lancement officiel du livre du président Xi Jinping. Il a essayé d'initier ce bouquin pour essayer de mettre un brassage entre les Africains et les Chinois. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine reste quand même un pays le plus peuplé dans le monde entier. Juste après cette cérémonie de lancement officiel, la deuxième rentrée ordinaire de l'Assemblée nationale a eu lieu ce mardi 2 septembre et cette rentrée sera consacrée sur les dépenses budgétaires nationales de l'année 2020. Et cette seconde rentrée parlementaire se penchera bien sûr sur les propositions de loi que certaines organisations ont exigées. Donc, tous ces propositions de loi seront rentrées en réflexion avec les députés de l'Assemblée nationale pour en tirer quand même une conclusion. Suivons le reportage et le discours d'ouverture de l'honorable Tiegan Yawa. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, mesdames et messieurs les autorités militaire, politique et administrative, distingués invités, mesdames et messieurs. La deuxième session ordinaire de l'année 2019, qui s'ouvre aujourd'hui, s'inscrit dans un esprit nouveau de modernisation de la pratique parlementaire consacrée par la révision constitutionnelle
du 8 mai 2019. En effet, au terme des dispositions de l'article 55, alinéa 3 de notre Constitution révisée, la seconde session s'ouvre le premier mardi de septembre. Et conformément à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 31 juillet 2019, ces dispositions sont d'application immédiate dès lors qu'elles visent à améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits d'appliquer. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués sénateurs, nous voulons saisir l'opportunité de cette cérémonie pour rendre hommage et adresser nos remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Faure Sazina Niasingbe, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer, aussi bien pour le maintien de la paix et de la sécurité que pour la poursuite du développement harmonieux de notre pays. Nous voulons également saluer Monsieur le Premier ministre pour sa présence ce matin à l'hémicycle dans le cadre de cette rentrée parlementaire. À travers vous, Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous tenons à exprimer nos sentiments de satisfaction à l'ensemble du gouvernement pour l'esprit de complémentarité qui caractérise le dialogue institutionnel entre l'exécutif et le législatif. Nous réaffirmons notre entière disponibilité à œuvrer aux côtés de l'exécutif et des autres institutions constitutionnelles pour le développement continu de notre pays et pour l'amélioration sans cesse croissante du bien-être de nos populations. Par ailleurs, nous voulons adresser notre reconnaissance aux membres du corps diplomatique, aux autorités militaires, politiques, administratives, religieuses et traditionnelles pour leur collaboration. La représentation nationale est fière de compter une fois de plus sur votre présence et votre soutien renouvelé. Honorables députés et chers collègues, cette deuxième session qui s'ouvre a été précédée d'une première session ordinaire et d'une intersession très intense. J'aimerais vous remercier très sincèrement pour la disponibilité, la franche collaboration, le respect mutuel, la cordialité qui nous ont permis d'obtenir de bons et encourageants résultats. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'enregistrer ensemble ces résultats et je prie pour qu'il continue de nous assister et à illuminer nos travaux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au titre des avancées démocratiques, nous pouvons noter la tenue réussie des élections locales qui va très certainement enregistrer sous peu l'installation des conseillers municipaux. C'est le lieu de saluer tous les acteurs de cette opération et particulièrement le comité de suivi de la décentralisation pour le travail remarquable qui a été accompli. Tout ceci a été possible grâce à la politique d'ouverture de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans sa perspective d'inviter toutes les populations, nos couches les plus vulnérables, toutes les composantes de notre société à participer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. L'Afrique est la 8e dans le monde en matière de gouvernance. D'une manière générale, le produit intérieur brut, PIB, et la recette intérieure connaissent une tendance progressive avec un taux de croissance appréciable. Dans cette perspective, le gouvernement devra donc poursuivre la politique de rigueur, d'amélioration d'un climat des affaires plus incitatif aux investissements privés.
Nous encourageons donc l'exécutif à s'ouvrir au secteur privé et à la société civile pour mobiliser beaucoup plus de recettes publiques afin de doter l'État de ressources intérieures suffisantes et nécessaires aux besoins de financement de notre plan national de développement PND 2018-2020. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues députés, mesdames et messieurs, notre contribution au projet de budget 2020 qui sera déposé dans une démarche prudentielle est de veiller à son articulation autour des axes prioritaires du PND sans oublier la poursuite de l'application des règles de gouvernance financière. Outre certains textes dont l'importance et l'urgence sont établis, cette session sera essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi de finances exercice 2020. L'agenda de notre deuxième session ordinaire sera certainement chargé. En effet, outre notre mission régalienne de législation, nous serons appelés à procéder au contrôle de l'action du gouvernement à travers les moyens classiques. Mais la mobilisation des ressources budgétaires et leur destination constitueront pour les parlementaires que nous sommes une vive préoccupation. C'est là que réside donc tout l'intérêt que nous accorderons au cours de cette deuxième session ordinaire à notre projet de budget. Cet exercice de législation auquel nous allons nous livrer appelle de notre part beaucoup d'habileté et de réalisme par rapport aux ambitions affichées par notre pays. En effet, être assidu et ponctuel lors de nos séances plénières. J'engage également l'administration parlementaire à plus de performance en appui au travail parlementaire. Je rassure le personnel de l'administration parlementaire que nous allons poursuivre les efforts d'amélioration du cadre de travail. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, avant de clore mon propos, je tiens à vous réitérer ma gratitude. Je vous remercie bien sûr de cette Assemblée nationale qui rentre pour sa deuxième section ordinaire. Et je vous rappelle que cette deuxième session ordinaire, ils vont essayer de se pencher sur les questions d'ordre budgétaire national, bien sûr, sur l'année 2020. Voilà, le mouvement des forces vives Espérance pour le Togo a fêté son anniversaire en premier lieu, bien sûr, le 4 septembre dernier. Ce mouvement était quand même sur le territoire togolais pour essayer d'aménager, bien sûr, et de renforcer les normes de compétences de la société civile. Donc, ils étaient rentrés en action, bien sûr, le 4 septembre 2018 et le 4 septembre 2019. Ils avaient quand même un an, jour pour jour. Mesdames et messieurs, tels sont quand même les propos de ce mouvement que nous allons essayer de vous dévoiler tout simplement. Nous y reviendrons bien sûr en image dans nos prochaines éditions. Fin de cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Adouna. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye.